Oui, peuple de Dieu, je me présente rapidement. Je m'appelle Pasteur Paul du Kalema. Je suis serviteur de Dieu vivant. Je profite à cette occasion pour exhorter le peuple de Dieu. Quelques passages qui m'ont été réveillés ce matin. La Bible me dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, première. Jusqu'à D, la Bible me dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Bien-aimé, je profite cela pour te dire aussi, toi qui me suis à cette terre, il y aura un temps que tu vas traverser dans ce monde. Bien-aimé, il faut saisir cette opportunité. Le temps n'est pas pour nous. Mais l'occasion qui est devant toi, l'occasion qui est devant moi, c'est pour savoir, après ce temps, qu'est-ce qui peut m'arriver? Après ce temps, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, sache une chose vraie que Jésus-Christ, il a été mort, il a été ressuscité pour toi. Au moment où il était mort, c'était la douleur, c'était la souffrance. Mais au moment où il est ressuscité, c'était la joie et c'était la victoire. Et pour toi et moi, au moment où nous sommes là, nous devons aussi savoir, on a commencé janvier, là on vient de terminer, dans quelques heures, l'année 2017, ça va passer. Et nous allons entrer en l'an 2018. Et pour toi, bien-aimé, tu vas continuer à demeurer à ce genre de vie. Il y a un temps pour tout. Tu étais serviteur du diable. Il y a un temps aussi pour devenir maintenant serviteur de Dieu. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as commis des erreurs. Tu étais une femme, un homme réputé dans les mauvaises vies. Mais il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui tu vis encore, il faut savoir une chose. Après ta mort, tu seras où? Après ta mort, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut préparer ton avenir. Il faut savoir là où tu vas devenir. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. On était jeunes. Là, aujourd'hui, on nous appelle papa, maman. Parce qu'il y a un temps qu'on vient de passer. Bien-aimé, je ne veux pas que toi, tu puisses entrer encore en l'an 2018 dans les mêmes situations de vie, dans les mêmes conditions de vie. Cela n'arrangera pas ton Dieu. Ton Dieu veille que toi, tu prospères à tous égards. Débarrasse-toi de tout ce qui est paresse. Débarrasse-toi de tout ce qui honore pas le nom de ton Dieu. Risquer ta vie pour le Dieu, tu ne seras pas déçu. Risquer ta vie pour servir ton Dieu. Débarrasse-toi avec tout ce qui est mauvais. Vie de débauche. Vie d'escroquerie, vie de pudicité, cela honore pas ton Dieu. Ton Créateur a besoin de toi. Ton Créateur a besoin de te faire une femme ou un homme de valeur. Mais à une seule chose, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. J'insiste de te le dire. Il y a un temps pour tout. Tu as servi diable. Il est temps maintenant de renoncer et devenir enfant de Dieu. La porte est grandement ouverte pour t'accueillir. La porte est grandement ouverte pour toi et moi. Le temps est là. Bien-aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ça fait mal. Celui qui est, tu étais avec lui, il est mort. Celle que tu vivais avec, elle t'a quitté. C'est difficile, ça fait mal, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps que tu as pleuré, il y a un temps aussi que tu arrives à glorifier ton Dieu, à remercier ton Dieu, à dire que oui, j'ai réussi, parce que tu as traversé des moments difficiles. Il est bon aussi pour que toi, tu arrives aussi à dire, mon Dieu est bon. Bien-aimé, la Bible est claire.
Lorsque la Bible nous dit il est temps pour tout, cela arrivera aussi. Si hier tu as connu des échecs, demain il n'y aura pas des échecs. Change ta position, Dieu changera ta situation. Change ce que tu vis aujourd'hui pour que tu voies la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Même si tu es, je ne sais pas moi comment, je ne suis pas digne pour te condamner. Mais ce que je peux te dire, prends courage. Débarrasse-toi de tes péchés. Débarrasse-toi de tout ce qui honore pas le nom de ton Dieu. Ton Créateur a besoin de toi. Ton Créateur attend quelque chose de très spécial pour toi. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, notre Créateur a un plan merveilleux. Des projets que notre Dieu a pour toi et moi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais aujourd'hui, toi, tu plais. Ne restez pas sur place. Lève-toi. Prends courage. Change ta position. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir des choses. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. Oui, la réalité, aujourd'hui, tu souffres. Ça, c'est normal. La réalité, c'est que je vois aujourd'hui, tu n'es pas en bon état. Tu es malade. Mais je peux te dire la vérité, c'est ce que Dieu t'a promis. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui est en Jésus-Christ, c'est ça qui va te faire un homme de valeur. C'est ça qui va te faire une femme de valeur. Lève-toi, prends courage. Change ta position, Dieu changera ta situation. Ton Dieu est prêt pour te sauver. C'est à toi de prendre une bonne décision. Bien-aimé, chaque année passe. Une autre revient à une autre façon, à une autre dimension, à une autre manière. C'est à toi de faire cette année 2018 une année de grâce, une année de prospère, une année de tout ce qui est bonheur. Ne restez pas comme tu as traversé 2017 à ce genre de vie. Ce genre de vie, ce n'est pas une vie que ton Créateur attend de toi. Ton Créateur a besoin de toi. Ton Créateur est prêt pour te soutenir, pour te donner tout ce qu'il faut. Mais c'est à toi. Lorsque tu demeures encore dans tes péchés, ça ne sera pas digne, ça ne sera pas possible que tu voies la main de Dieu. La main de Dieu est prête pour te sauver, pour te donner tout ce qu'il faut. Mais c'est à toi. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Tu étais voleur, on ne te condamne pas. Tu as volé, tu as fait tout ce qu'il faut avec tes amis. Aujourd'hui, les autres sont dans les prisons. Aujourd'hui, les autres sont déjà morts. Mais toi, tu vis encore. Toi, tu es encore libre. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Si on ne t'a pas attrapé, c'est parce que la grâce de Dieu est encore avec toi. Cela veut dire, ne continuez pas à ce genre de vie. Ne continuez pas à suivre ce que tu es en train de faire. Changer, chercher à faire mieux. Éviter tout ce qui est fraude. Éviter tout ce qui est violent. Éviter tout ce qu'il faut. Parce qu'avec ton Dieu, Dieu a mesure de te donner une nouvelle vie. La vie de bonheur et non de malheur. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Si la Bible a mentionné cela, parce que la Bible nous confirme, il y a un temps pour tout. Des autorités vont passer. Des capacités finira. L'argent finira. Tout ce que tu vois, tout ce que tu t'accroches aujourd'hui passera. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Aujourd'hui, tu as encore la force de travailler, de bosser dur. Mais demain, tu n'auras pas la même force que tu as aujourd'hui. Demain, tu seras vieux. Demain, tu seras vieille. Tu n'auras pas la même force pour aller bosser. Mais il faut profiter au moment où tu as encore la force de travailler. Travailler dur. Mettez à côté pour sauvegarder ton avenir. Ça, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, Dieu s'occupera de ça.
Bien-aimés, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu. Ne cherchez pas les bénédictions, parce que les bénédictions passera. Mais le royaume des cieux, le royaume que Dieu nous a promis, c'est là que nous allons passer éternité avec notre Dieu. La raison pour laquelle j'insiste pour te le dire, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, les gens courent derrière toi parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu as de l'argent, parce que tu as des moyens. Mais demain après-demain, les gens ne viendront pas parce que le temps que tu as traversé, le temps que tu as déjà consommé n'est pas le même que les gens vont demeurer toujours à te suivre. Il y a un temps pour tout. Saisir l'opportunité, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était votre serviteur, Pasteur Paul Diokalema. Que Dieu vous bénisse, toutes les bonheurs, toutes les bénédictions pour l'an 2018. Amen. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique. Faites le 00 32 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent dès la France, faites le 00 33 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 00 31 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps.
du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazubinga Bino, Boleka na Partol TV, Poete Totombola Lissoussou, Yesu Yabinga Biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. On natalise yo Yesu, consolateur yamite. La vie ici sur Terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grâce Betty Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactol TV. La prophétesse Grâce Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. La chaîne incontournable du moment et de la différence. Votre partenaire spirituel des confiances. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et
Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.